Jeudi 1er octobre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour semaine là, avec premier sorti nous pour mois d'octobre là. Mais quelles sont les principales informations qui pourraient faire essentiel journal? 254,704,000,000 c'est montant budget exercice fiscal 2020-2021. Gouvernement haïtien adopté hier mercredi 30 septembre là, dans le cadre du Conseil ministre, n'a pas rappelé nouveau exercice fiscal là démarré jeudi 1er octobre 2020. Langue créole là, c'est gardien héritage culturel non, c'est sous thème ça Académie créole haïtien lancé jeudi 1er octobre 2020 mois langue à culture créole là dans Port-au-Prince, dans occasion secrétaire exécutif Académie créole haïtien Luna Goug déclaré c'est une nécessité pour sensibiliser population sous importance langue créole là dans développement pays d'Haïti. Dans page internationale journal là après 16 mois crise politique, yon nouveau gouvernement belge officiellement entré en fonction jeudi 1er octobre 2021. Nouveau gouvernement ça qui prête serment devant roi Philippe, gen comme premier ministre libéral flamand Alexandre de Croo, gouvernement ça gen la donne 14 ministres et 5 secrétaires d'État. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, 4 mois presque expiré. L'a expiré dans un mois. Merci, je vous fais moi ça. Mangez ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Agenadon. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 000 de tout côté, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous pouvez faire si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause expiré. Mika va dire que vous causez ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé, il y a de côté, ou bien n'importe qui sale, il y a juste par ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. M'bral fait ça, Kounia. De toute façon, bon, m'bac à l'issue, 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 m'bac à l'issue. Si ce qu'on achète, fait acheter au tout boxeur. Jeune motoboxeur, tout partout, dans tout pays. Ouverti jeudi 1er octobre 2020, année fiscale 2020-2021, sur tout territoire national là, sur un budget 254,704,000,000 gouttes comme recette, l'État compte fait pour nouveau année fiscale ça. Décision ça a été adoptée hier mercredi 30 septembre là, dans le cadre d'un conseil ministre. Divers membres tant qu'ou Evelyne Trouillot, Léo Bien-Aimé, comité suivi déclaration 21 août 2020 passé a, qui t'est rassemblé plus passé 300 associations dans différents secteurs dans société a, lancé yon appel en faveur yon accord national en toute siate déclaration 21 août passé a pour organisation transition ak départ président Jovenel Moïse sous pouvoir, membre rassemblement pour dignité Haïti radi. Evelyne Trouillot fait connait accord national ça nécessaire face à volonté pouvoir en place là pour établir une dictature dans le pays d'Haïti. Selon Evelyne Trouillot, peuple a pas qu'attendre encore. Dans sens ça, il invite tout si à tête déclaration 21 août là pour remettre comité suivi à proposition payo dans l'idée pour présenter à pays à une proposition concertée avant longtemps. Membre rassemblement pour dignité Haïti a radi Evelyne Trouillot te nan micro Jean-Robert Saint-Fort ak Mackenson registre. Il y a quelques haïtiens qui semblaient ont perdu confiance dans le pays a, c'est pas nous. Nous gagne confiance dans le pays a. Il y a quelques haïtiens qui voulaient mettre division société civile, secteur politique, c'est pas nous. Solution, c'est nous toutes qui pour porter l'ensemble. Il y a quelques haïtiens qui compte faire bac sous parole yo. Nous souhaiter pas un groupe comme ça dans assemblée signer une déclaration 21 d'août là. Il y a quelques haïtiens qui semblaient pas comprendre dictature capable bien allier dans un moment mais il pas des amis. Je dis à ces professeurs mérilien,
c'est monde qui a protesté, c'est militants dans quartier populaire, c'est entrepreneurs pouvoir raï pour raison personnelle. Demain, c'est capable n'importe qui monde. Je dis à ce pays qui fait opposition contre une dictature qui veut installer. Si nous quittons l'installer, on a payé l'accent, on a payé la dignité citoyenne, on a perdu. On a payé la toute institution dans le pays qui a fini crasé. Je dis à les arrivées pour décanter la fête, un petit point de monde qui voulait aider la dictature à installer à créer ce pays qui a combattu. Nous lançons un appel pour tout le monde qui était engagé dans le mauvais chemin de dictature, qui voulait prendre distance à lui, pour ramasser courage à demain, exprimer position publiquement. Laisse ça, il n'y a qu'à participer dans le travail collectif pour faire pays avancer. Dans l'affaire dictature, pas de neutre, tout neutre c'est complice. Si vous avez un ami, une famille, un partenaire qui dit qu'il est neutre, faites songer ça. Les dictatures qui cherchent à installer, pas de neutre. Tout net ses complices qui est capable d'une victime demain matin, même Jacques tout le monde. Nous renouvelons l'appel pour tout ce qui a été déclaration 21 d'août là, pour l'autre groupe qui a travaillé sous proposition sous Bopayo, verser toute proposition sa yo par le comité suivi à la commission qui a travaillé sous proposition yo pour faire un accord final. Pour nous travailler l'année pour la journée, vivre dans la semaine qui a fini yo, sur un accord, nous tout a campé derrière. Vive déclaration 21 d'août là, vive accord final qui doit sortir dans la semaine qui a fini yo, pour remettre le pays à sous chemin progrès et démocratie. Sous bon par le secrétaire général Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti à nous là, Dr. Louis-Gérald Gilles, fait qu'on est moment arrivé pour force vive nation fait yon sel pour permettre pays à sortir dans situation difficile li trouver les derniers jours sa yo. Selon Dr. Louis-Gérald Gilles, c'est celle yon tête ensemble qui permet population arriver kwape régime qui sous pouvoir. Dr. Louis-Gérald Gilles, tenamiko Jean-Robert Saint-Fort ak Mackenson registre. Au niveau de organisation politique yo, organisation société civile, nous pouvons proposer population une idée qui est claire. Le seul bagage qui dégage la caille, c'est chercher un accord national entre nous-mêmes qui n'est pas d'accord avec ça qu'il a proposé nous là. Il n'y a pas l'autre bagage, c'est PASI, nous-mêmes, nous allons mettre tête ensemble pour nous dire halte là, à type de pouvoir, eh bien, il a fait tout ça pour nous faire avec force internationale qui a back-up pour essayer d'imposer nos bagages. Et je répète, le texte là, il était clair. Les gens qui sont neutres, qui disent aujourd'hui, ils suivent, c'est erreur qu'ils ont fait. Demain, si l'accident ou l'autre est arrivé, accident ou par exemple qui arrive à Maître Doval, accident ou qui voulait arriver à Josué Mérilien, il a bloqué. Si l'accident ça a privé nous tous, si nous ne comprenons pas, c'est notre tête ensemble pour nous joindre un accord national. Pour une population prend confiance dans nous. Il dit clairement, ce n'est pas des missions Jovenel Moïse que le comité suivi a demandé. Le comité suivi a été là pour ramasser propositions et capsoti de part et d'autre qui ont logique qui claire, respect constitution. Ce n'est pas des missions Jovenel, pensé 7 février 2021, constitutionnellement, au nom de l'article 134.2a, président Jovenel Moïse, mandal libout. Éclair Info a continué pour nous dire réseau national Playan Petro-Caribéo voye sipo ak solidarité yo bay juge kou cassation yo fait konnen k'ap resevwa gros menace en bas main proche gouvernement en place là à cause yo pat réalisé prestation serment 9 membres conseil électoral provisoire yo. Coordonnateur général Playan Petro-Caribéa Maurice Noël qui dénonçait nouveau KEPA longe doit li sous président République là li di ka fè manœuvre pour ta gen contrôle élection yo nan sans sa réseau national Playan Petro-Caribé déclaré yo pa pral nan élection et puis annoncé y a prêté mobilisé pour forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir avant même 7 février 2021. Maurice Noël c'est coordonnateur général réseau Playan Petro-Caribé qui était dans micro Garlens lui ak Jean-Sony Lemay. Le président de la Cour supérieure des comptes monsieur Baguené et tous les membres de la Cour qui en persécution par le pouvoir en place. Les nous constater infraction que Joaseïs Nadet a fait dans le cadre de la Cour supérieure des comptes quand elle débarqué en Chango avec un groupe de gazam investi local là
comment c'est filmé dans dossier qui sensible côté dossier Petro Caribéa c'est là nèg yo al filmé nous même nous dit intimidation ça yo pas passé nous mandé président Koua à tout l'autre membre de la cassation pas prendre pression petit vagabond chodia. C'est pour ça, nous, en support, en solidarité avec les membres de la Cour supérieure des comptes, nous, solidaires avec eux, réseau national cap bataille, pour que 4 milliards $200 millions, ça, qui nomme Jovenel Moïse non impliqué 69 fois, la donne. Michel Matéli, Laurent Lamotte, Wilson Lalo, Stéphanie Valny-Vildouin, Jocelyne Privert, pour ne citer ça ou seulement, pour que peuple haïtien récupère comme ça, pour que yo aller fait ça comme ça, t'es gagné pour le faire. C'est ça que fait nous-mêmes, au niveau les membres du réseau national des pays en Petro-Caribé. Nous sommes solidaires avec la Cour supérieure des comptes pour que nous disions, yo, yo pas pour compte, yo. Yo gagne toute la population du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui a poté collé. Et poté collé ça, il y a tout débouché le 17 octobre 2020, qui a tout débouché avec une grande mobilisation sur toute la ligne pour que nous fassions mafia ça qui prend pays en otage, quitter pays d'Haïti. Toute organisation, droits humains, l'église catholique, l'église protestante, la presse, qui t'a prouvé mon conseil là, tout boudel. Je joins des trois tiraqueteurs qui vont faire mes conseils. À qui est-ce? Pour qui peuple? Pour qui monde? Et nous clair sur lui. Journaliste, quoi, si vous voulez, question la question des élections. Pas de bagaille comme ça. Et c'est mobilisation qui prend commencer à partir du 17 octobre pour nous chavirer le système sa tête en bas. Porte-parole réseau national Pléiant Petro-Caribéa Jacob Alliance qui dénonçait toute dérive à Zak assassinat, li dit qui enregistré sous pouvoir Jovenel Moïse là, annonçait une campagne mobilisation qui a démarré dans l'Éogane, journée vendredi 2 octobre qui a venu là, pour exiger départ chef l'État dans tête pays là, à changement système politique ça, li dit qui pas dans intérêt population. Plus information avec porte-parole réseau national Pléiant Petro-Caribéa Jacob Alliance qui était dans micro radio télé éclair. Ça li pas négocié sous aucun prétexte. Jovenel Moïse, c'est un va-nu-pied, c'est un voyou, li pas utile pays à rien. Donc avec Jovenel Moïse, c'est sang qui a coulé dans quartier populaire yo. Avec Jovenel Moïse, c'est de l'eau qui a coulé dans jé en pile famille en Haïti. Si n'a font révision pour nous gagner massacre la Saline, massacre Bel Air, massacre Tokyo, massacre tout côté, en pile monde qui tristesse dans cœur yo et nous ouais, c'est le 17 octobre ça va le faire yon année. Depuis nous t'es perdu yon ti mineur Kashmi à Léogane, peut-être la mandé mouche l'état l'école pour l'aller, peut-être la mandé mouche l'état yon mieux être. Et bien la police qui que Jovenel Moïse te baille uniforme et bien un fusillé ti garçon ça. Donc demain si vous voulez pour toute raison ça yo n'a bien yon grande journée de mobilisation à Léogane dans la cité d'Anacaona. Rendez-vous 9h. L'autre information dans journal là, langue créole là, c'est gardien héritage culturel nous. C'est sous thème ça, Académie créole haïtien lancé journée jeudi 1er octobre 2021, mois langue à culture créole là dans Port-au-Prince, dans occasion secrétaire exécutif Académie créole haïtien Luna Goug fait connaître c'est une nécessité pour sensibiliser population sur importance langue créole capable gagner dans développement pays d'Haïti. Luna Goug annoncé diverses activités tant que conférence débat ak rencontre littéraire Académie créole haïtien ap gen pou organiser pendant mois octobre qui c'est mois langue ak kilti créole la. Secrétaire exécutif Académie créole haïtien Luna Goug té nan micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Mackenson registre. Nous connaît Académie créole célébrer journée internationale langue ak kilti créole chaque 28 octobre. Mais nous même nan académie an depuis nous installer nous gen yon mois activité pendant mois d'octobre là. Qui c'est moi célébration langue à culture créole. Année ça Académie créole haïtien choisi un message qui marine langue na société. Thème année ça c'est langue créole là, c'est gardien héritage culturel nous. Donc nous a célébrer
moi langue créole à des ça à partir de thème ça côté non lié langue à culture créole dans occasion lancement moi langue créole là qui c'est jeudi en journée 1er octobre 2020 nous académie a un message li voye bay population li voye bay autorité li voye bay toute institution yo et dans message ça académie a montré importance langue créole dans développement pays ya. Si n'a parlé de développement durable, nous pas qu'à mettre sous côté langue créole. Et dans le message, l'académie a montré que langue créole dans la population est vraie, mais pas comme une langue officielle vraie, dans l'autorité pays, institution, l'État haïtien a utilisé. Donc c'était une sensibilisation surtout pour langue créole qui tourner langue officielle tout bon vrai dans le pays. Ça veut dire que utiliser dans toute activité nationale, internationale et officielle pays. Donc, dans l'occasion, l'Académie créole a mis un programme d'activité en dehors. Côté, nous avons une conférence pour la presse, journée jeudi. Nous avons mercredi 14 octobre, nous avons un académicien pour Riz Jean-Baptiste, dans la direction nationale livre, pour causerie, sous zèvre, sous vision, sous projet, sous sentiment, en tant que comme académicien. N'a bien le 11 octobre à 11h AM, n'a bien académicien Guy Gérald Ménard qui est en bas de Café Philo. Lui-même, il parle parler sur engagement social et revendication populaire dans Zev Félix Morisseau Leroy. 15 octobre, n'a bien un groupe et académicien qui font échange sur littératie créole haïtienne. Nous avons académicien Christophe Charles, Michel-Ange Hippolyte et conseiller consultatif Jean-Robert Placide. Qui a parlé sur histoire, sur évolution et situation langue créole. N'a pas sous Zoom dans l'académie et puis tout le monde qui a participé sur internet côté n'a pas voyé lien dans depuis la veille. Samedi 17 octobre, n'a bien académicien Pierre-Michel Chéri qui a place Kaoubas. Lui-même ils sont invités et 100 ans culturel la Ouzé. Mercredi 21 octobre, n'a bien académicien Rochon Boléni qui sont docteur en linguistique qui c'est professeur dans FLA. Qui a animé une conférence et toujours sur Zoom dans l'académie en tout avec plusieurs autres académiciens. Il a parlé lui-même sur analogie qui gagne dans l'émergence de langue créole. Et à une cérémonie officielle, côté n'a bien invité le gouvernement, représentant et institution l'État qui partenait à l'Académie créole haïtienne. Nous avons pour nous remettre tout quelques plaques données par célébrités, par personnalités qui marquent langue créole là. Et chaque année, nous faisons ça pour deux mondes, deux, trois mondes. On a des activités, et puis on a des animations culturelles, naturellement, dans le chant, manger créole. Dans la page internationale journal, là, après 16 mois de crise politique, il y a un nouveau gouvernement belge officiellement entré en fonction, jeudi 1er octobre 2021. Nouveau gouvernement ça qui prêtait serment devant roi Philippe, qui est comme premier ministre et libéral flamand Alexander De Croo. Gouvernement ça qui la donne 14 ministres et 5 secrétaires d'État. Euronews a dit nous plus. Le nouveau gouvernement belge est officiellement entré en fonction ce jeudi, au lendemain de la désignation d'Alexander De Croo comme Premier ministre après 16 mois de crise politique. Le nouveau Premier ministre libéral flamand a prêté serment devant le roi Philippe. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ce nouveau gouvernement paritaire compte 14 ministres et 5 secrétaires d'État. Il est issu d'une coalition de 7 partis appartenant aux familles libérales, socialistes et écologistes, auxquelles s'ajoute le Parti chrétien-démocrate flamand. Les écologistes ont obtenu un secrétariat d'État et 4 ministères, dont ceux de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement. Les affaires étrangères reviennent à l'ancienne première ministre Sophie Wilmès. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à ce journal-là pour jeudi 1er octobre 2021. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. 254 milliards 704 millions, c'est montant budget exercice fiscal 2020-2021. Gouvernement haïtien adopté hier mercredi 30 septembre l'an, dans le cadre du Conseil ministre, n'a préappelé nouveau exercice fiscal là démarré jeudi 1er octobre 2020. Langue créole là, c'est gardien héritage culturel non, c'est sous thème ça Académie créole haïtienne.
lancé journée jeudi 1er octobre 2021 mois langue ak kilti créole là dans Port-au-Prince dans occasion secrétaire exécutif Académie créole haïtien Luna Goug déclaré c'est une nécessité pour sensibiliser population sous importance langue créole là dans développement pays d'Haïti. Dans page internationale journal là après 16 mois crise politique, un nouveau gouvernement belge officiellement entré en fonction journée jeudi 1er octobre 2021. Nouveau gouvernement ça qui prêtait serment devant roi Philippe gain comme premier ministre libéral flamand Alexandre de Croo. Gouvernement ça gain la donne 14 ministres et 5 secrétaires d'état. C'est point ça yo ak divers lots qui t'ai fait essentiel le journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'ai accordé à journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.